Benjamin Mbote. Mbote mingi ndekonanga journaliste à Congo Live. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Tu es mieux na Katia wa tombe ta masuri sukota la mboka ndenge sila ko kende le balo mbi basta ya Nzambe. Bona ya libanga na bino ya ko porter na Katia mboka sukota mo mana mote boza wana pro ko ko jam pole na Katia mboka mo na mboka Benjamin prophète. Bonne bonne santé politique au yan pour Katia du Congo. Manamboka de Konanga journaliste Ndai prophète Benjamin Kawanga, la véritable incarnation de Simon Kimbangu. N'a pas d'abord Mbote na le Seigneur de ce temps, le grand roi divin Emmanuel Doty. N'a pas Mbote na ba affranchi nyon sur la sikolami. On a souhaité Bango déjà bonne fête et à la fête de la trompette. Et donc il est grand de prière, les 10, Tokozalawana. Le Longo, Namakoloya, le grand roi divin, l'homme des trois pouvoirs, ça veut dire le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir scientifique. Et donc, c'est dans ce titre, mon frère, que Namakoloya, la Maramboya, politique, puisque politique est Pesamelika, quand l'église, mon corps et l'Obama. Les trois pouvoirs, au Kimbangu, à l'Obaki, et c'est Komaki, puisque mon Koronago, Emmanuel de Asia Komaki. On a l'église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis, le fondement prophétique du relèvement de l'église, au Kukuta, l'enseignant, le professeur par excellence, le professeur universel, le Mufukulopu Wabatu, le Seigneur Emmanuel Doty a enseigné la mission, science, politique et Bonzambé. Et donc, au Tuningaï, santé politique et Mbok en tant que prophète, dans le Bimbok, ils ont été bien terminés. Oui. Non, on est gagné. Bon, que ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a bien, parce que bateau, bazo kambamboka, ba politicien, bazo consulter Nzambe tatati, bazo consulter Bonzambe te. Alors que Bonzambe est ça dans ma colonne Bango, mais Bango bazo qu'il y a consulter les esprits étrangers. Milimo ya libanda, oyo bazo ya nango na libanda, milimo wana ezo bebisa mboka. Je vous dis, les politiciens, les présidents de la République, son entourage, na nyonso wana ba otambla na ye, bazo zalaka envoûté par les esprits étrangers. Ah, oui, c'est comme ça que je vous dis, le pays ne peut pas bien marcher. Lokola batu bazo ya na milimo étranger, bazo ya nango ezo mema conséquences, ba conséquences se bele na mboka. Mauvaise gestion, moyibi détournement. Batukokufa de Konangaï. Est-ce que vous pensez que la catastrophe de Salema, le naufrage de Salema, na Bandoudou, na Kindou, na Banyema, na Goma, je présente mes condoléances les plus sincères à mes frères et sœurs, au Nyonso, Bazokufa, dans ma situation, dans ma situation, nous sommes au Congo, sans oublier dans les prisons et autres. Et que les âmes de ses frères et sœurs se reposent en paix. Et nous prions à ce que le dernier jour qu'il y ait une résurrection. Parce que ça ne va pas, mon frère, ça ne va pas. Là où Batoubazo Koufa Bongo et Senga mais écoutez, la émission que l'Iwa est là, naturel, naturel, ça veut dire quoi? Mais il y a celui qui commande la nature. Mais ce que l'on dit quand l'Iwa est naturel, oui et non, oui. Bon, on a un poto place batu batu qui est là. Est-ce que ça le magané de Saint Mervage? Place chef de l'État qui n'a pas poto hein? Place que naïbi qui a ça pour un poto là. Il y a ça les gars pour un poto. Est-ce que batu batu pour faire quoi la magané de Saint Mervage? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème profond. Il y a un problème profond. N'engue naïbi c'est que Congo ils ont un problème spirituel. C'est-à-dire les faux pasteurs, les faux prophètes. Oyo batoni pembe na chef de l'État, oyo bazo aveugler le chef de l'État, bazo lo bana vérité te parce que bazali ba faux. Le Congo est en un problème politique parce que la classe politique est spiraki. Le Congo est en un problème scientifique. Et donc le Congo est en un problème scientifique et solution ezali moko. Solution, ils ont sur la lola et solution, c'est qu'il t'a qui le tabernacle descendu du ciel. Ça veut dire, Emmanuel Doty, c'est la solution. Voilà pourquoi je dis ceci. À ce qui concerne la politique, parce que tout le monde est en politique, quand tu dis la politique, ça veut dire qu'il y a les acteurs politiques, il y a les politiciens.
notamment le chef de l'État, ça ne va pas. En commençant par lui-même, il faut que le chef de l'État ait son âme de délivrance. Ah! Oui. Chef de l'État de délivrance. Mais je vous dis, le chef de l'État congolais, Antoine Félix Tshisekedi, doit avoir une délivrance. Délivrance à Nîmes. Délivrance des esprits étrangers. Délivrance des esprits étrangers qui amènent la malédiction, qui amènent la destruction dans votre pays. C'est pourquoi dans le Binayoboui, le chef de l'État, chaque fois qu'il rentre avec les esprits étrangers. Il y rentre avec les géants, les êtres étrangers. Mais, placé à Kendaka, Ali à Kakuna, Alala Kakuna, parce que ma esprit, on est écoute à Karabandaku, écoute à Karabautel, écoute à Rapena Bassi, l'impudicité, écoute à Rapena Bokutisme, bon, écoute à Bokutisme, au Bazali tout autour, le chef de l'État, Batoubele, Bazala, Mondouana, Bazoya, n'a pas les esprits étrangers. Les esprits, on écoute à Rapena Maï. Je vous rappelle que en 2021, avant qu'il y ait des tournées dans l'Est, il y a d'abord dans Mwanda, il y a au Sambela, ici, le fleuve Congo et écoute à l'océan. Il m'a été révélé que lors de Sambela qui te kangi, entré à mes esprits étrangers, wana oyaka pour détruire Mboka Congo. Mais malheureusement, ils ont yaka na ba avion le leo parce que ma politicien na biso bazo ke na plus libanda, notamment le chef de l'État. C'est comme ça que ils ont désorienté le chef de l'État. Il pense beaucoup plus à l'étranger. Il parle plus à l'étranger qu'au pays. C'est comme ça que les esprits étrangers wana de Konanga journalistes. Ils ont empêché le chef de l'État à mon les souffrances des Congo et des Congolais. Ils ont empêché le chef de l'État à Bounana, Rwanda, na Kagame. Les esprits étrangers l'empêchent. On s'est rappelé, dans la campagne à l'Obakandengenini, il suffit qu'à Eskamout, c'est mon Zala, à Kobeta Massassi, na Rwanda. Et le Konin, ils ont empêché. Mon frère, je vous dis, en tant que prophète, tant que vous avez dit, tant que vous avez dit, Et je vous dis que la réponse qui m'a été donnée au ciel, c'est vous dire, prophète Benjamin Kawanga, sonne la trompette, annonce le peuple congolais que ce qui fait que votre pays ne marche pas, c'est parce que les autorités politico-administratives, la majorité, sont animées par les esprits étrangers. Et les esprits étrangers là sont en train de détruire nos frères et sœurs. Au Congo en général, et na bango moko, c'est comme ça que na ébisio. Malade au chef de l'État Zanango, et outil na Libanda. Malade. Chef de l'État, on a dit qu'il faut se soigner en Belgique. Mais malade, on est outil na Libanda. Au moins, il y a des mots que ça, il faut qu'on soit la prophète pour qu'on soit la révéler. Tant que je suis na Libanda, je suis malade. Et puis, malade, mon frère, je parle par rapport à l'esprit et par rapport à l'autre. Parce que milimo est la tête ce qui est exact. Milimo est kota kana nzoto. Ba pesa qui est malade à travers milimo na bango ya Libanda. Tant que yé kote milimo wana eza d'abord continue kaka yé chaque fois à kenaka Libanda. Parce que tant que zo kende kuna Libanda zo kende ko dépenser l'argent les richesses à Congo na mboka na bango. Milimo wana pesa malade pour que ne ko se soigner kaka Libanda. C'est comme ça que vos hommes ont la chef de l'État, tant que vous avez beaucoup plus, vous avez tout la tête. Pourquoi le chef de l'État, raison est Zali, wana principale, parce que le chef de l'État est envoûté par les esprits étrangers. Les esprits étrangers les ont désorientés, le chef de l'État a tant que plus dans le pays étranger. Et la solution est Zali, parce que nous ne sommes pas ceux-là qui disent seulement Bamona, Kapona, Bamona. Le temps est arrivé. Que Dieu le Père est représenté au Congo à travers le Christ incarné Emmanuel Dodi, il m'a dit, allez sonner la trompette. Dis à votre frère, je dis au frère Félix Antoine Tshisekedi et les autres, venez aller recevoir la délivrance particulière de vous auprès de le Seigneur Emmanuel Dodi. C'est le mouton pour délivrer sur de l'État dans les esprits, les géants, les êtres étrangers. Le chef de l'État n'est pas là, animé dans les géants, les êtres étrangers. Les géants sont les êtres étrangers. L'aura d'alors a été délivrée. Les pasteurs n'ont pas été délivrés. Le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kibar, n'a pas été délivré. Quand vous allez, ça n'a pas été délivré.
Baonyoso ba prophète ya lukuta lokola ba délivrer c'est ba ko délivrer yété. Ah. Oh ba tatou ba ko délivrer yété. Atama ite kalamba eko emba ba nzembo na ye ya lukuta a ko délivrer yété. Le seul mouto a ko délivrer sur de l'état dans les esprits étrangers et délivrer le Congo à tout entier, c'est Emmanuel Dodi, le grand roi divin. Le chef de l'État, il est entouré, envoûté par les esprits étrangers. Je le dis en tant que prophète. Et ceux qui boyaux qui sont des trompettes, on a sonné des. Donc allez dans 10 mois les mois, il y a sonné trompette. Le chef de l'État, d'ici 3 ans, mille mois ne causons de la Omani. Alors, je dis ceci, ceux qui a accueilli comme on a le grand prophète Emmanuel de Prince soit délivrance, mille mois ne causons de la Omani. Parce que Mili Mwana, ils ont détruit d'abord le peuple congolais. Mais Eko Zonge la Yomoko Mabe. Et donc, le pays ne va pas bien parce que le chef de l'État d'abord soit à Zabieté. Merci beaucoup, mon amboka, prophète Benjamin. Le message est lancé. Je pense que le service est proche de Balandio. Comme ça, il y a un peu de temps pour dire que mon amboka, Peter Tone, Tisekedi. Je ne sais pas si la constitution est en train de se faire. Il m'a bêté à modifier la constitution. Je ne sais pas si la politique est en train de se faire. Comment analyser la constitution en révision? Mon frère est journaliste. Je suis en émission contre le cas qui a eu un débat qui a battu. Ce qui dialogue et qui est là, il faut d'abord pour consulter Zambé Tata. Ou alors consulter le peuple congolais. Malheureusement, le chef de l'État a été consulté par le ministre congolais, a consulté même pas par Mota, qui répond dans le Liban, dans la Hongrie. Voilà la conséquence à mes esprits étrangers, à l'oubli que le dialogue est cause à la tête parce que le pays est dans la crise politique. Je voulais d'abord encadrer le chef de l'État que le pays a une crise profonde. Une crise profonde. La crise politique, ce n'est pas la classe politique, bah Fayulu, bah Katumbi, bah nous on a mina yo chef de l'État Bolia, Kabukabula, Nabambongo, Banini. La crise politique est profonde entre Dieu, le peuple, les dirigeants congolais que vous êtes et la population congolaise. Alors, pour la Polokasko, solution à la crise politique, voilà. Négo Tchikoloba, négo la journaliste, bah comme il faut qu'on révise que non, il faut qu'on révise la constitution, négo la solution. Constitution est seulement un étranger, oui. Et outil d'origine étrangère, oui. Corréviser un monument étranger. Oui. Corréviser un est-ce qu'ils ont une solution? Non. Pourquoi? Parce que, un, Congo, ils ont une révision à la constitution. De deux, Batoua et Balingi, ça, les locaux, on a besoin de la qualité. Qu'est-ce que le Congo demande? La solution des Congo, c'est le changement de la constitution. C'est-à-dire que l'on a la constitution, il faut que quoi ça en gros, qu'on commence à la constitution, il y a six cas. C'est comme maillé le wane et koutawa. Et koutawa va politiser. Et koutawa va augister kabouyate. Et quand vous avez le professeur Mbatate, et quand vous avez Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Katumbite, Mayele Kokoma, véritable constitution au Congo, et quand vous avez celui que Dieu a donné les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Et donc, et quand vous avez le prophète, donc le grand prophète Emmanuel Dodi. Dans les livres, vous avez un journaliste. La solution, c'est réadiquer, effacer cette constitution étrangère. Mais quand et comment? Et pour remplacer avec quoi? On remplace la Troisième République. Parce que la constitution Nabino, on vous parle de la Troisième République, non? Il faut que l'on voit la Troisième République, tant qu'elle est la Quatrième République. La République est le chiffre 4 qu'avait prophétisé Simon Kimba. Mon mystère est à Congo. Nous sommes la Quatrième République, nous sommes la Cinquième République. Non, voilà. Même meilleur journaliste, papa, qui est un malade. Il a enseigné le peuple congolais parce qu'il a enseigné la République. C'est un cinquième président. Cinquième président, ce n'est pas cinquième république. Il est cinquième président, mais nous sommes dans la troisième république. Montrez, démontrez, bisous. Mais, tant qu'il y a la constitution, il y a une assemblée, la commission qui est l'assemblée, il y a la troisième république. Nous sommes dans la troisième république.
Félix Tshisekedi est cinquième président selon vous, selon la comptabilité humaine. Mais moi, je veux vous dire, selon la comptabilité divine, Félix Tshisekedi est le troisième président. C'est-à-dire la continuité de la troisième république. Oye Bandaki na Laurent Désiré Kabila, Félix Enani, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Bango yo sobazana, troisième république. Donc c'est le troisième président. Et le Congo parlait, le prophète avait parlé des quatrième président. C'est là où nous venons interpréter ce que le prophète Simon Kimbangu avait parlé. Ça s'appelle la quatrième république. Et donc il faut rééduquer, effacer la troisième république qui est venue de l'Occident, notamment les États-Unis, la France et la Belgique, que vous appelez la République démocratique du Congo. Parce que c'est une république de la malédiction. Je l'ai déjà dit à révéler. Mais, banani bakosa la yango, ils allaient IDPCité, ou ensemble été, ou ba parti wana yakatonani ma Fayoulou nani. Non, c'est les hommes de Dieu. Si Kabuya et les autres, président Félix Balingi ba sala musala wana ya Nzambe, il faut d'abord baya kozwa délivrance. Et pas le grand prophète Manodoni, ba soit enseignement. Et le Kouana, je vous dis, mon frère journaliste, et qu'on peut s'aller maintenant année Oyoté. Il faut s'aller maintenant année 2027-2028. Donc, pour le moment, la révision de la Constitution n'a plus de sens. Je dis à Kabuya, je dis aux politiciens, le Congo n'a pas besoin de la révision constitutionnelle. Le Congo a besoin de l'entrée de la 4ème République, c'est-à-dire la rédaction d'une véritable constitution divine et congolaise, et non les constitutions étrangères. Je me suis dit que les gens qui ont un esprit étranger, ceux qui vont réviser la constitution étrangère, ceux qui vont réviser, c'est-à-dire maintenir les fonds étrangers, c'est-à-dire la même constitution étrangère va rester. Bah, qu'on modifie quelques articles. Même si on va modifier un article, le grand problème ce n'est pas de la modification. Le grand problème c'est l'effacement de cette constitution occidentale satanique et la rédaction de la constitution divine. Parce que Dieu est au Congo. Merci beaucoup, mon amboka prophète Benjamin, nous avons été merci Bissot. Concernant la révision et la constitution, on a beaucoup dit, 2022 PSU s'approche aussi, les élections aussi bientôt là. Comment côté des prophètes et prophétiques, comment vous allez voir les élections, c'est qu'elle dit, afin de faire un ça va être comment? Écoutez, c'est là aujourd'hui on en parlera. Je dis clairement que la rédaction de la véritable constitution doit commencer en 2027-2028. Oui, on m'a promis en 2028. Oui, on m'a promis en 2028. Il y a une véritable constitution, il y a 4ème république. Vous êtes dirigé par Nani? Les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu. Ah. Plus question de la classe politique au culte. Pasteur, comment président? Oui, les prophètes que nous sommes. Nous allons gouverner ce pays conformément à la volonté de Dieu. Parce que c'est l'Israël de ce temps. Et donc, les chrétiens, Préparons-nous, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Nous devons entrer dans la phase de l'accomplissement des prophéties de Simon Kimbangu. Et donc, ce qui est important pour le moment, dans ton communauté, tant que les alliés, tous ceux qui ont amené les politiciens, il y a une joie, une délivrance, mon frère. Et pas à Emmanuel Dodi. Oh, Amouna n'a pas été, Congolais va rappeler, même d'Amouna n'a pas été, le Gomongote. Oh, malheureusement, aux gens qui m'ont mal informé. Emmanuel Dodi, yo yakana nous consola pour yamayot. Yo yakana. Congo la ifi boya. Tu vois quand même miracle quand même quand même dans mettant de tenir yo lobaka. Mais tu es baraté à l'opposé de René Mos. Emmanuel Dodi, mon frère journaliste, na koben chayo kaka lobi. D'ailleurs, je dis je veux. Na zo ben gabino d'abord boya. Na bao nyon so basola nangai. Bala na biso jeudi le 10. Tozali na fête de la trompette. Et Kozala public dans le monde entier, l'humanité tout entière, j'allais dire. Je voudrais vous dire ceci, avant ça, Lélo, vendredi, Emmanuel de Azure, recevra dimanche, il y reçoit les gens.
mardi, mercredi. Il reçoit tout le monde sans demander l'argent. Et par contre, il y a des Emmanuel Dodi, Ayamba Kabatu Nyonso, Bino ba journaliste Bolini Boya, Boye, Naba technicien Congo Life Bolini Boya, Boya, Aye wana pona batu Nyonso, pona délivrance ya ba Congolais Nyonso, ba Africains Nyonso, l'humanité Nyonso. Batu bazo uta libanda ba Congolais na pesi ba ndeko na ngaba Nyonso, ba ser na ngaba zo ya, ba zana États-Unis, Canada, ba Toronto, ba Nani, hein, ba Wayambo, ba Marie Claire, ba. Ba nyoso ba zoya ba mire mama mire ba tout nyoso ba gari ki ka donc ba mes frères ba zoya tout na pesi bango nyoso mbote na lobi ba franchi nyoso venons célébrer les fêtes commence et donc mon frère osa est invité gratuitement tu seras ici par les grands rois divin Emmanuel Dodi. Donc c'est pas moi c'est corporation ya Congo Live Mobimba. Oui, Congo Live Boya, vous avez invité Boya, Boya Mokolodi. Ce que vous voyez dimanche, ça va. Ce que vous voyez mardi, ça va. Aboya Mabino. Emmanuel Dodi est là. Ça, déjà passé, comme le prophète Emmanuel Dodi, je pense, Congo Live, vous allez bien, il y a été tout de suite, vous allez bienvenir. Nakatia. Bon, vous allez bienvenir. Bah, baza, peut-être, Nanani, bah, qu'on soit numéro Nangaï, plus 243, 81 et 85. 67 034 56 85 67 034 56 Emmanuel Dodi, le délivré, l'enseignant, le Mufukululu, le Longi, celui qui Mambo avait prophétisé, il est là pour délivrer tout le monde. Le chef de l'État, vous devez venir recevoir votre délivrance. À ce qui concerne la Constitution, nous, Dieu nous a instauré qu'on entrera dans la 4e République. C'est la République qui va délivrer le Congo. C'est notre terre promise, notre canard. La Troisième République ne donnera aucune solution. Et donc, les politiciens, vous devez d'abord venir recevoir la délivrance. Parce que nulle part vous besoin de délivrance, ça va être été. Ni na catholique, ni na fameuse église kimbanguiste, ni na protestant, ni na Laura Dalo, ni na Kabundualesa, ni na ba Nyoso. Délivrance, c'est Alika Kana, Église Mongo Universelle, Pentecôtiste, Charismatique et le ministère des Affranchis, le fondement fondamental du relèvement de l'Église, là où il y a le Seigneur né Emmanuel Dodi. Venez tous, vous serez bénis et surtout délivrés. Merci. C'est moi qui vous remercie.